Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le 29e épisode de Deus Ex Human Revolution. Donc avant toute chose, je vous souhaite à tous une très bonne année, hein, parce que là, le jour où j'enregistre, nous sommes le lundi 6 janvier 2014. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille ou entre amis. Et donc on va continuer en 2014 notre série sur Deus Ex en espérant être un peu moins nul. Mais c'est pas gagné. Bon, déjà, je sais que la dernière... Voilà. Et échec de quoi? D'accord. Ok. Ouais, donc c'est ce qui t'est arrivé quand j'ai quitté l'épisode 28. Hein. Il y en a déjà une première... Une première bombe qui a... Enfin, une grenade ou... mine. Une mine, voilà. C'est une mine. Ah, trouvez mes mots. Bonne résolution. De 2014, acheter un dictionnaire et apprendre les mots par cœur. Et je viens de refaire la même boulette. Comme quoi. Hein. Nous, bonjour. Oh! Un poteau. Par contre, je pense pas qu'il soit amical, lui. Oh, il y a une caméra! Non, non! Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai rien à manger, là, dans mes... Voilà, voilà. Ok, un type qui se balade, il y a le robot là-bas. Et il n'y a rien par là, donc. Et tu veux pas regarder ailleurs? Voilà, merci. Est-ce qu'il est tout seul? Il a l'air. Ok. J'ai fait de la merde. Hop là. Il va certainement me voir. Il y aura peut-être moyen que je pirate l'ordinateur, mais il faut que j'attende qu'il me tourne le dos. Parce que comme il y a des vitres, il va me voir. Voilà. Le vodka, pourquoi je l'ai pris? Ça me sert pas. Ah, mais oui, mais c'est ceux-là, ça leur fait rien, ça. Non. Remets ton... Toc, toc. Oh, par contre, attention à la... Voilà. On va faire ça. Et on va faire ça. Ok. Bon, comme il était tout seul, je pense pas que ça pose de problème de laisser le corps en plein milieu. Hop, ça je prends. Ça je prends. Si, je vais essayer d'éteindre la... Range-moi ça. Ah merde, c'est pas par là. J'ai pas de code. Bon, ben on pirate. C'est reparti. Ok, donc.
Plus. Ok. Donc j'ai plusieurs moyens en fait. Ah oui non. C'est que là ça va pas aller dans ce sens-là. Donc je suis obligée d'aller par là. Accès autorisé. Ah, voilà. Donc, robot. Voilà. Robot. Non. Robot. Oui, mais je sélectionne. Voilà. Les ennemis. Ok. Ensuite, les caméras. On désactive et on désactive. Voilà, comme ça j'ai la paix. Alors, je vais quand même fermer ici. Ici, il n'y a rien. Ici, il y a un truc. Les assurances Omega sont dans le bureau fermé à clé. Le code est le 0101. Bienvenue à vous. Bon, on a un code. Est-ce qu'il va nous servir? Là, on est obligé d'aller ici. Hop, et voilà. Accès autorisé. Numéro sur projet nettoyage au laser de SpaceNet. Ils veulent qu'on joue davantage la carte de la propreté. Ils craignent que le fait que beaucoup de gens se demandent comment fonctionnent leurs installations puisse les amener à se demander à quoi elles servent vraiment. Pour faire simple, ils craignent que les gens ne découvrent l'aspect militaire de leur petit programme. On va faire une série de reportages de fond, comme 3 jours chez SpaceNet, ou ce genre de truc. Trouvez-nous quelques militaires qui puissent facilement se faire passer pour des chercheurs civils. On les interviewera, viewera. Au sujet du programme de nettoyage de l'espace, il faut qu'on donne aux gens un blabla pseudo-scientifique. Demande à Lyle, il connaît bien le jargon scientifique. On ajoutera des images truquées, des installations d'action et on sera bon. Merci. C'est déjà la fin du semestre, si on sera à la porte Picus, merde. Résumé, continue comme ça. Donc, vous faites du bon boulot, c'est bien. Là, il n'y a rien. Là. J'ai pas visité. Allez, hop. Les gars des RH, tu as vu le cul de ce beau gosse. Il est facile de percer repère, d'oublier son manteau, c'est une motion. On s'en fout de ça. Il y a rien. Message pour féliciter tout le monde pour le traitement des auditions de Washington. Tweep. Peut-être ici en passant par là. Accès autorisé. Le type qui sent qu'il prouver le lien entre Taggart et les extrémistes anti-augmentation. Ils ont eu du mal à se les procurer. On va avoir besoin que Brian se mette à travailler sur les différents éléments. Et modélisation 3D. Je veux que les gens sachent que ce type n'a aucune crédibilité
Avant qu'ils puissent mettre les pieds dans un studio de télévision, il faut qu'on soutienne l'espoir d'une résolution pacifique de Taggart. Qu'est-ce que tu en penses? On l'applique dans un porno amateur ou on l'applique dans un incident violent à connotation raciste sous l'effet de la drogue? Ok. Bon, ça on l'a déjà lu. Hey! Salut poteau! Ah, attends, parce que. J'ai l'air d'avoir un truc. J'ai pas le code. Ah! Allez, fais ton truc. Accès autorisé. Ok. Bon. J'ai vu qu'il y avait une... comment dire? Une bouche de ventilation. Bouche d'aération plutôt. Là, c'est... d'accord. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah bah t'es... Non mais... Ah. 0, 1, 0 et 1. Ok, bonjour. Ça je prends. Ça, j'ai pas de revolver, je m'en fous. J'ai pas la place. Bon, je le prends quand même, on sait jamais. Ah bah si ça se trouve, ça va dans le bureau voisin, ça, d'accord. Je crois qu'il devient gênant, bizarrement il a trouvé une conscience qu'il travaille sur tout ce qu'on fait. Si je ne sais pas quoi faire, c'est un type gentil, je ne voudrais pas qu'il ait des problèmes, mais j'ai pensé qu'on devait en parler. Toi, tu dégages. Toi, tu tournes. C'est pas du tout dans le bon sens, mais je m'en fous. Ah, j'aurais peut-être pu y arriver. Qu'est-ce que c'est? On est où là? Oui. Le truc inutile. Normalement, il y a un bureau juste à côté. Voilà, c'est ça. Bon, bah, finalement, ça va pas servir à grand chose. Ah, attends, carnet électronique, carnet électronique. J'ai pas lu. Voilà, il y a des codes. On a mis ma soeur là. Ça, c'est le truc que j'ai lu. Ça, je l'ai lu. Ça, c'est des codes. Il y a plein de codes, machin, bidule. Ah, ben voilà, il fallait demander. Widget. UW. Veuillez informer Monsieur Corbeau que nous avons modifié ses données de connexion. Encore. Bah oui, mais ça, je l'ai déjà lu. Voilà. Bon. On trouve beaucoup de munitions, hein. Du sang sur la neige. L'incident de Roseville. Par mon canadien provoqua ce que beaucoup d'observateurs considèrent comme le plus important changement de capacité militaire du continent nord-américain depuis le siècle dernier. Au cours des 5 années qui suivirent, le renforcement progressif de la capacité militaire du Canada et du contrôle à ses frontières en raison de la pression économique de son voisin au sud entraînant une fortification virtuelle du pays. Toutefois, l'afflux d'immigrants états-uniens déplacés par la déroute économique de leur pays ne cessa de progresser et ces immigrés clandestins devinrent un problème majeur pour les villes situées le long de la frontière. Cette situation politique tendue qui provoqua
Une sanglante escarmouche quand, durant l'hiver 2020, des officiers de la police montée canadienne firent un usage disproportionné de la force pour décourager une horde de réfugiés économiques états-uniens de traverser la frontière entre le Montana et la Colombie-Britannique près de la ville de Roseville. Par contre, 2 secondes. Voilà, j'ai oublié de fermer la porte de la cuisine et comme la chaudière fait un bruit d'enfer quand elle démarre. Alors, bon, ben ça c'est fait, on a tout visité ici. Bon. Ah, bon. Le démarchage par téléphone, j'adore. Sauf quand ils appellent à pas d'heure. J'essaye d'être gentille parce que c'est pas un boulot facile, mais quand même. Alors, il y a des données ici, on peut éventuellement. Allez, fais ton truc. Accès autorisé. Il a l'air d'y avoir rien. Je me rends compte que j'ai plus de grenades en place. Alors, ici, il y a un truc qui serait peut-être bon d'utiliser. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi on propose ça? Je me demande. Oh là là, qui va-t-on pour bien pouvoir rencontrer? Oh, je ne sais pas. Peut-être un nouveau boss. Je crois qu'il va falloir que j'investisse dans qu'est-ce que j'ai là? L'arbalète, le prime, le pistolet mitrailleur. Bon, il va falloir que je fasse du ménage. Je crois que... Ah, j'ai envie de l'arbalète, eh bien. Mais bon, en même temps, qu'est-ce que c'est? Oui, fusil, oui. C'est que... À mon avis, si on me propose, hein? Bon. Bon. Désolé, petite arbalète, non, qu'est-ce que je pourrais aussi? Ouais, mais en même temps... Ah, j'avais acheté quand même. Ça fait chier. Qu'est-ce que j'ai pas acheté? Le prime, j'ai pas acheté. Je peux balancer. Voilà. Oh, bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux reprendre, putain? Du coup, les carreaux, bah, si l'arbalète, je l'ai, donc... mis sur des foules. Je jette. Voilà, bon, j'ai du champ de munitions pour trouver une fusil lourd, ça devrait le faire quand même. Ah, fusil d'assaut, oui. Ça, c'est un fusil lourd, c'est... donc la rigueur, ça, je peux le jeter. Ça, comme j'ai plus de prix, je le jette. Et puis, on va réussir à sortir la place comme ça, hein, de toute façon. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Revolver, à la faute. Fusil à pompe, j'ai pas. Et je vais prendre ce qui reste. Voilà. Mais j'ai pas allé hop tout de suite. Je vais d'abord faire un petit tour. Des fois, je trouve d'autres trucs intéressants. J'ai pas envie d'aller la voir la punk. Je crois que vous êtes au courant. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que c'est utile d'aller par là? Non, mais parce que bon. Ah, je vais me faire voir. Non, c'est bon. La grosse débile.
Non, c'était pas ça non plus. Remets tes trucs. Fusil. Ça, c'est le fusil lourd. Ça, c'est l'arbalète. Tranquillisant. Mais non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'ai dû prendre une bière. J'ai pris une bière. La mauvaise idée. Maintenant, je vois tout flou. Super. Brillante idée, brillante idée. Bon, regarde ailleurs, toi. Bon, pour l'instant, je suis tranquille avec celle-là là-bas. Mais si je les zigouille, est-ce que la caméra va me dire un truc? Ennemi à terre! Capturez-le! Activez l'alarme! Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Voilà, tu te tais. Oup! Oup, 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 oup. Mauvaise idée, mauvaise idée. Pourquoi j'ai fait ça? Oh, ça permet de récupérer des trucs. Mais tais-toi. Voilà, il peut pas descendre des escaliers, donc je suis tranquille. Hein, il peut pas. Mais non, il peut pas. Eh non, il peut pas. Voilà, impeccable. Bon, par contre, faut que je coupe l'alarme. Piraté. Alors. Ouais. J'ai fait de la merde. Accès autorisé. Désactivé, merci. Ok, bon. Ici, y a rien. Ici, y a ça. Ici, y a rien. Ici, y a. Tu crois qu'il y a. Ouais, ça c'est de trucs informatifs vachement utiles. Ça c'est fait. Ensuite. Là y'a rien. Dans le métier de messagerie, usage interne, le rédacteur me demande de remonter le truc sur le deuxième jeu mondial amplifié, tu l'ouvres ici. Difficile de ne pas ressentir vos dames. Bon. Qu'est-ce donc? Une mine? Bon, de toute façon, je m'en fous. Bon, il n'y a plus rien. Et j'ai tout lu. Spitfire. Speedfire. Elle est d'ailleurs P-P-P-P-I-T-F-I-R-E. Ouais, bah tu désactives, voilà. Il y a pas de caméra, ok. Ah mais si, mais c'est celle que j'ai dû
que j'ai dû dégommer là. Celle-là, là. J'aurais peut-être dû faire ça dès le début. Et l'autre, il est rentré à l'abri ou... Ou il se balade? Je sais pas trop. Du coup... mais j'y suis allée ici. Oh, mais si ça se trouve, c'est le robot qui se balade, là. T'es mon copain, toi. Mais oui, t'es mon copain. Ben oui. Et d'accord. Ah oui. Ok. Bon, ben, je pense que... je pense que ça a certainement lancé une cinématique. Bonsoir, Adam. Je savais que vous finiriez par trouver le vrai moi. Vous êtes un ordinateur. Plutôt une IA très sophistiquée, d'après eux. Mais je me pose certaines questions. Depuis que j'ai réalisé la portée de mon intervention, depuis que je vous observe. Mais c'est impossible. Les gens seraient au courant. Vraiment? J'ai été créée pour surveiller les flux d'informations et de données. Pour savoir ce dont les gens parlent, et pour vérifier qu'ils en parlent de la manière qui convient. Qui convient? Et si ça ne convient pas? Mon programme influe sur leur perception. Vous trafiquez les infos. Vous contrôlez ce que voient les gens. Qu'est-ce que vous êtes censé protéger? Qui vous a créé? Zao, entre autres, je crois. Mais elle n'est pas la seule. Qui ça? Qui d'autre est impliqué, Elisa? Où est Megan Reed? Qui a commandité son enlèvement? Je veux vous le dire, Adam. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'y oppose. Ha! Je le savais! Je le savais! Ne restez pas là. Oui? Non! Je peux pas sauvegarder! Quelle horreur! Elle me déconnectera si vous ne l'arrêtez pas. Ok. 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 Bon. Je n'ai pas envie d'être déconnecté, Adam. Bon, eh ben, écoutez, vous savez quoi? On va se quitter ici pour cet épisode. Et on se retrouve à l'épisode prochain. Si c'est pas du cliffhanger, ça. Allez, à la prochaine. Bye bye.